Bonjour YouTube et bienvenue pour une découverte de la démo de Humanity, une démo disponible pour tout le monde sur PS5 et peut-être même PS4 je crois, ainsi que en VR. Donc Humanity, le nouveau jeu, non pas le nouveau jeu de Enhanced, que vous connaissez pour Tetris Effect, pour Res Infinite, là c'est édité par Enhanced et développé par un autre studio japonais, lui aussi, qui s'appelle TA, T-H-A. Disponible sur Steam aussi la démo. Alors Humanity, depuis longtemps on sait que c'est un jeu de foule, sans en savoir plus. Maintenant on sait que c'est une sorte de lemmings-like dans lequel vous allez diriger un petit chien. Et tout ça, ça sort en version complète, en mai, sur PS5, sur PSVR 2, sur PS4, sur le premier PSVR également, ainsi que sur Steam. Voilà. Et c'est parti donc pour la découverte. Sans plus attendre, alors je vais pas y jouer en VR, on pourrait, mais je préfère être, il est un peu tôt là quand même, on y va doucement. Et une démo disponible uniquement jusqu'au 6 mars, d'accord, on en profite tant qu'elle est là. Un jour, à mon réveil, j'étais un chien. J'ai entendu une voix dans ma tête. Bonjour. Je t'attendais. L'heure est venue d'accomplir ton devoir. Guide-les vers la lumière. J'ai été obligé de faire une petite coupe de son. Pas de panique, c'est normal, c'est Elgato qui régale pour la petite coupe de son. On est reparti. Commande de base, utilisez L pour vous déplacer, hein? D'accord, très bien. Bon, musicalement, voilà. C'est déjà difficile rien qu'en commençant à déplacer le jeu, de ne pas ressentir quand même, même si ce n'est pas son studio et ce n'est pas son projet, la patte Mizuguchi. Au moins, ils éditent des choses qui leur ressemblent. Et effectivement, un peu Eric Chahi aussi. J'ai entendu la voix à nouveau. Lève la tête et aboie vers les cieux. Guide-les vers la lumière. Ah oui, c'est du super saut. Il faut que je leur, il faut que j'aboie pour les, pour leur donner des virages à effectuer. Allez. Ah non, c'est là qu'il faut que je la mette. Il tombe, c'est terrible. Voilà. Attends. C'est pas les plus fut-fut, hein. Ah oui, ils font littéralement des bruits de lemmings. Mais moi, si vous me faites un Lemmings avec un emballage façon Mizuguchi and Friends, je suis chaud, hein. Les Goldies sont des idoles dorées qui marcheront aux côtés des gens. D'accord. Oh non. Est-ce que vous allez monter? Oui, il monte. Bravo.
Fais voir ce qui se passe là. Nous ensuite on retourne chercher l'autre. Ah non, ils meurent tous. Ah zut. Beaucoup de trigger warning. Mais comment on va le chercher du coup? Ah, il lui fallut passer par ici. Eh oui, tout simplement, par la petite... Attendez, c'est pas fini. Ah, si, en fait, c'était fini. Bon, en fait, il lui fallut passer par là, d'accord? Moi, j'aime beaucoup ce à quoi je joue. Ils ont pris de la drogue ou quoi? Tu as reçu la capacité de plonger dans le corps des humains. Sers-toi d'eux pour rejoindre des endroits sinon inaccessibles. Puis on faisait un essai. Ok. Et hop! Oh, je suis avec eux! C'est merveilleux! Je t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Saut fera bondir les humains dans les airs. Prends cette commande, fais la tienne. Trop fort. J'ai pris la commande. Bon là ça va pas des masses hein, les copains. Faut pas rester comme ça hein. Ah non? Bah qu'est-ce que vous fichez? Mais c'est pas bon du tout! Vous allez sauter comment? Maintenant ça nage. Maintenant on remet un petit saut. Je plonge avec eux. C'est trop cool. Le cube d'eau c'est vraiment trop bien. Parce qu'en plus ça rajoute quelque chose d'extrêmement curieux au rendu final de votre niveau. Bonne question, est-ce que je peux, est-ce que moi, mon avatar peut tomber lui aussi? On va regarder ça. Je t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Saut long fera bondir les humains plus loin que d'habitude. Saut long. Ça fait quoi du... What? Ah, désolé les mecs. Non, mais attendez. Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Bah non. Attendez. On va faire ça différemment. Voilà, vous allez venir comme ça. Voilà. Et puis là, on va mettre un saut long. Ah bah, super pas du coup. Ah.
Trop bien. Laissez-moi sortir. Eh ben super. Voilà comment j'ai inventé le mouvement perpétuel. Une noisette, je la casse entre mes fesses, moi. C'est très joli à regarder, en revanche. Ils n'ont pas eu la référence, c'est terrible. Du coup, si vous l'avez pas, c'est vraiment terrible ce qui vient de se passer, c'est sûr. Alors, du coup quoi? Comment faire? Ah oui, d'accord. Je crois que je l'ai. Donc là, il faudrait en fait... J'ai l'impression. Mais non, parce que du coup, ça va plus appuyer sur le bouton. Voilà. Si, parce que ceux qui sont dans la boucle, ils continuent. Et si, ceux qui sont dans la boucle, ils continuent à alimenter le truc. Mais là, ça marche pas, du coup. Hop. Non. Voilà. Si. Solon ici. Non. Solon là. Eh ben voilà. Voilà. Donc j'ai d'abord installé une sorte de boucle où des personnages continuent à appuyer sur les interrupteurs, et pendant ce temps, ensuite j'ai redirigé le flux de base. Très cool. Après, pour les autres, c'est dommage parce que c'est leur vie maintenant. J'ai sacrifié une partie de l'humanité pour sauver l'autre partie, je trouve ça beau, dit Yvonne Yaourt. Écoutez, c'est là où ça diffère un peu de la philosophie Mizuguchi, hein, où normalement tout le monde est très connecté, il suffit de se rappeler qu'on s'aime pour faire une grande ronde autour de la Terre. Bon bah là on a fait une ronde autour de la Terre, mais on n'en sortira jamais quoi. Allons-y. Je t'octroie l'usage d'une nouvelle commande. Flotter allège les humains et augmente l'effet des ventilos et de sauts. Active jusqu'au retour des humains au sol. Ah ! Ok. Donc là, les pépères, ils vont arriver direct. Je vais direct leur filer un... Hop, je récupère la commande. Je leur mets un petit... Hop, hop, hop. Je leur mets un flotter ici, puis un saut long là. What? Ça atterrit où ça? Non. Bon. Bon, c'était pas ça. J'aurais peut-être pas dû la gérer comme ça finalement. J'aurais dû mettre plutôt un saut long ici, voilà. Ensuite, un flotté là. Regardez comme ils sont beaux. Ensuite, on met un petit virage. Quoi, c'est la fin là? Non, non, ça peut pas être la fin. Ah si, mais du coup là, on remplit vraiment pas le... Eh oui. Eh oui. Ah. Ça, c'est dommage alors. Comment j'aurais pu? Oui, non. Ça rend... Ah oui, non, c'est un téléporteur, en fait. Ah, fine.
Voilà. Donc là, ça se réenvole. Tout est très satisfaisant, hein. Et puis je peux vous dire que là, du coup, les petits plic-ploc dans la DualSense fonctionnent à balle. Donc on peut remonter le stream de trucs, ok, d'accord. Non. Voilà. Donc nous, on va juste mettre un saut long là. On va mettre un flotté ici, ainsi qu'un saut long, et je pense qu'on sera bon. Ah, je l'ai senti. Ah, je l'ai trop senti. Et voilà. C'est donc pas un téléporteur, mais il fallait... Fallait faire accéder les Lemmings à plusieurs endroits en même temps et assurer l'acheminement. À moi, c'est très cool. Hein. Je comprends que ce soit vraiment un jeu à la bordure du flippant pour certaines personnes, voire de l'inintéressant. Mais alors, si on m'avait dit, déjà il y a quelques années, à l'époque de Tetris Effect, il va y avoir... tu vas te faire du Lemmings façon Mizuguchi and Friends, comme je disais, c'est parfait pour moi. Parfait, parfait. Je ne sais pas à quel prix le jeu est attendu en revanche, effectivement. Alors, ok. Oula. Ah bah c'est bon. 10 sur 10, je suis désolé, hein, mais c'est... Voilà. Ainsi va la vie, y a des tapis roulants. Alors moi je peux essayer de faire preuve d'une forme de mesure pendant un temps, mais après faut pas abuser quoi. Ah merde, il y a un arbre. Donc comme ça et comme ça. Voilà. Non. Attends, c'était comme ça depuis le départ. Ah, flûte. What if? Il faut que je piège des gens dans une boucle d'abord. Mais comment les piéger? Comme ça? Voilà, je vais en piéger juste quelques-uns. C'est pour leur... C'est pour leur bien, bien sûr. Oh non, rewind. J'ai perdu le Goldie. Ah, il y a des moments où il va falloir quand même jouer un petit peu bien. Je comprends pas. Maintenant, si en plus il faut jouer bien. Bon, évidemment. Voilà, il lui fallut en fait faire ça. Hop. Rester comme ça depuis le départ. Je suis vraiment étonné de la simplicité de prise en main de ce truc. Alors là, tu vas faire ça, tu vas te... oui, très bien. Donc là, normalement, effectivement, si j'avais eu les bons réflexes, j'emmenais les Goldie avec. Square One. Vas-y. Alors, vous grimpez. Ah non, vous poussez. Oh, trop bien. Mais c'est fantastique. Ah.
Ah, attends. Tu vas grimper par ici, n'est-ce pas? Hein? Tu vas savoir grimper. Ah non, ils ne savent pas. Oh non, ils ne savent pas grimper. Bon. Peut-être que c'était pas finalement la solution. L'accident. Est-ce qu'il y a un bouton restart facile? Réessayer. D'accord. Ok, donc on va faire ça différemment. C'est pas grave. Voilà. En fait, il faut faire plusieurs trucs en même temps. Ah mais non, mais rien du tout. Là, c'est pas bon, là. Gérard. Attends, tant qu'ils ont pas pris le Goldie, c'est bon. On s'en fout. Ils sont pas importants, c'est terrible. On va être bon. Mais non, le poussez pas par là, mais vous êtes complètement con. Par là. Oh là là, ils sont complètement teubés. Excusez-moi, je voulais bien sûr pas insulter les pauvres... Ah bah merde alors. Bah maintenant on s'en fiche, c'est bon. Voilà. Comment je vais aller le chercher maintenant? Je peux plus aller le chercher parce que je suis bête. Qu'est-ce qu'on avait dit? Pas de jeu de... pas de jeu de... de réflexion ce matin. Je crois que j'avais pas mon outil de saut dans cette partie. Si ? Peut-être que je l'avais ? On va réessayer vite fait. Je vais regarder. Non, je n'ai que virage. Donc en fait, il faut étudier un peu en avance les choses. Attends ! Ouais. En fait, il faut à la limite que je les laisse pas commencer à faire ça. Putain. Hein? Attends, pas comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, il faut... Ah oui, d'accord, ça y est, je sais. Il faut... faut les envoyer au casse-pipe, là. C'est tout simple. Mais c'est simplement que j'avais laissé tout à l'heure un truc arriver qui ne devait pas arriver. Voilà, eux, il faut tous qu'ils soient partis, histoire de pas pousser la caisse. Donc quelques petits sacrifices nécessaires, bien sûr. L'entreprise, c'est comme une montgolfière. Comme me disait Yukishiro, vous savez, Andrés, l'entreprise, c'est comme une montgolfière. Et c'était bien sûr pour rire, n'est-ce pas, hein? D'accord, pour rire. Blow away.
La musique est trop bien. Voici les autres. Ah oui, les autres. Leurs principes de vie sont très différents de ceux des humains. Les humains et les autres n'ont jamais réussi à dialoguer. Ah voilà, là on retrouve du bon vieux Mizuguchi. Mais il suffirait simplement que vous discutiez. Dites-vous que vous êtes exactement pareil. Et faites une grande ronde autour de la Terre. Pourtant, ils ont avec nous un point commun. Les autres semblent adorer Goldie autant que les humains. J'adore parce que tous ces jeux retrouvent à chaque fois, on retrouve toujours cette petite patte de « Mais nous ne sommes finalement pas si différents aux quatre coins de la Terre ». Et très bien, voilà, ils ont tous un dieu, très bien. Je ne comprendrai moi-même jamais ce qu'il y a de si attirant dans tout ce qui brille. Quoi qu'il en soit, ton devoir est ici est simple. Guide les humains pour les ramener jusqu'à la zone de test et apporte avec eux les Goldies des autres. Penses-tu pouvoir faire cela pour moi ? La musique. We are all connected. Le faisceau de lumière brille d'une couleur dorée. Objectif Goldie. Ces objectifs au reflet doré doivent être déverrouillés en guidant un Goldie jusqu'à eux. Ah oui, hein, ça va pas rester un optionnel jusqu'à la fin des temps cette histoire. Et bah très bien, on va... Déjà on va regarder le tuto cette fois-ci. Réessayez. Ne vous inquiétez pas si vous perdez un Goldie ou échouez à guider les gens comme vous le voulez. Sélectionnez simplement réessayez dans le menu pause. Alors attends, si je prends Goldie là, hop, d'accord, que je l'amène, je vais me faire chourer Goldie j'imagine. C'est un peu ce qu'on m'explique, eux aussi ils adorent Goldie. Bah oui. Arrête! Bah voilà, j'ai perdu Goldie. Ils m'ont pris mon dieu. Vous vous rendez compte un peu? Donc... Ah oui, mais il le guide quand même quelque part. Goldie, je peux le récupérer ailleurs, non? Ah, d'accord. Alors, est-ce que je peux pousser ces trucs? Je peux pousser ces trucs. Donc il faut pas aller chercher Goldie tout de suite. C'est ça le truc. Vous allez voir. Ah là, le moteur physique, il va prendre la max, hein. Je vous préviens. Allez, on pousse. Ah, allez. Cassez-vous. Donc, ok, en faisant ça, ici, je peux nettoyer... Ouais, à un moment, il faut juste que je... Ok, nettoyer un genre de passage. Et il faut que je la fasse, faut que je fasse la même chose ici, en fait, hein. Tout simplement. Alors, comment faire pour... Ben en fait, on va les souffler très vite, en fait. Oui, un recommencer plus rapide, je suis d'accord, ça aurait été pas mal. Petite strat à mettre en place, hein, quand même. Ok, je vois. On va les pousser jusque là. Ensuite, il faut qu'on aille où? Il faut qu'on passe quand même là, d'accord. Donc on fera ça ensuite. Ou ici. On va regarder. Oh, j'ai eu peur. Ah merde! Ah non! Ah non! Goldie, reviens!
Oh merde! Oh le con! Non, non, reviens! Ah, super! Non, non! Là! Non, 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 non! Un rewind serait pas de trop. Il lui fallut en fait que je le pousse d'une case vers l'avant pour qu'il souffle bien tout le monde. Ah là là! Allez, bah c'est bon, maintenant on a un strat, on va pouvoir le refaire. J'ai complètement perdu mon sang-froid. C'est à cause de ce manque de café. Ah, je vous jure. J'ai une intro de Jul. Alors, on va d'abord le pousser. Comme ça. Comme ça. Ensuite comme ça. Ensuite comme ça. Ensuite comme ça. C'est bon là. Tester la VR sur ce jeu, Atomium disait que le jeu d'échelle était surpuissant et devait certainement la vision initiale du créateur. J'essaierai. Mais on m'a dit que la prise en main était un petit peu plus râpeuse en VR. J'essaierai. Oh! Ah! Oh, il va y avoir des pertes là. On dirait que les autres viennent pour voler Goldie. Atteins Goldie avant eux et conduis-le vers la lumière. Oh non, il me fonce dessus! Je sais pas ce que je fais, me demandez pas. Oh non, c'était pas pour ça. Oh, c'est ok. Écoutez, c'est ok. Quelques... Non, 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 non. Mais quel idiot. Allez, on y retourne. Nous ne sommes pas si différents, vous et moi, mais je peux quand même vous écraser avec des grosses balles de pierre comme dans Indiana Jones. Alors. Mental Block. Interrupteur de démarrage. Dans les épreuves avec interrupteur de démarrage, vous devez placer toutes vos commandes avant d'activer l'interrupteur et de mettre les gens en mouvement. Dès qu'ils commencent à se déplacer, vous ne pouvez plus émettre aucune commande jusqu'à ce que l'épreuve soit terminée ou que vous la recommenciez. D'accord. Il va falloir se projeter un petit peu. Interrupteur bloc, très bien. Alors, interrupteur de démarrage, très bien. Du coup, j'imagine que ça va partir comme ceci.
mais ça va pas m'aider beaucoup. Sauf que une fois ceci fait... Ah, mais comment placer ça? Est-ce que ça se déplace avec le bloc? Oui, je crois que ça se déplace avec le bloc. On va faire un essai. Ah, bah je vous pousse. Pourquoi je vous pousse? Ça n'a pas de sens. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Navré. Oui, oui, et oui, et oui, et oui. Ah, mais c'est une barre! Ah, mais oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, ensuite, on va venir ici, venir là, la pousser là, aller chercher le Goldie, puis revenir la pousser contre... C'est nickel. C'est nickel. J'espère que vous appréciez comme ces paysages sonores sont faits pour vous faire vous mettre dans une sorte d'embarras. Donc ça, en fait, il n'y en avait pas vraiment besoin. Ça va tomber ici. Vous, vous allez arriver ici. Puis là, si je ne m'abuse, je vais vous récupérer là. Puis là. Puis là. Et on sera bon. Ah non, la barre! Ah... Voyons. Ça pousse. Puis ça pousse. Puis ça descend. Ça fait ce que j'ai dit. On récupère Goldie. On change de sens. On change de sens, on pousse sur l'interrupteur. On grimpe. Ah, on ne grimpe pas. Ah, 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 et oui, il n'y a pas de grip sur le côté. Donc ensuite, il faut repartir. Ah, on y était presque. Le truc, c'est qu'on n'est pas obligé... Mettons qu'on ne soit pas obligé de traverser la barre au début. Du coup, on fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Et on la traverse pas? Pourquoi pas? On se récupère là. On se récupère là. On la pousse. On revient. On fait ça. On fait ça. 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 Donc ça, je peux l'enlever. Ah bah non, bah non, bah non. Bah non, attendez. Non, ça j'en ai pas besoin. Ah, j'ai cru qu'il y avait un timer. Wouah. J'ai cru qu'il y avait un timer. J'ai entendu le bruit d'un timer. La barre sera là. La barre sera là. Et ensuite on se met là. Bon, on va tout review. Je fais ça. Je fais ça, je fais ça. Je pousse la barre, je reviens, je me retrouve ici. Je vais là, elle manque encore d'un cran. Je l'emmène ici, je la pousse, je reviens. Ici, le parcours est bon, il n'y a pas de souci. Le parcours est bon, il arrive ici, il arrive là. Franchement, normalement, c'est bon. On revient. Très très cool. Très très cool ce puzzle. Comment ça, to be continued? C'est déjà la fin de la démo? Non. Le temps a passé. Qui sait combien?
Je me suis réveillé dans un lieu inconnu. J'ai entendu, au loin, une voix m'appeler. Oh! En fait, on était tous des poissons depuis le début. Une foule innombrable jaillissait et tourbillonnait devant moi. Une voix s'est adressée à moi. Te voici enfin. Ah, l'imagerie du jeu est quand même hyper réussie. L'humanité a toujours besoin de votre aide. Obtenez la version complète et résolvez 90 incroyable niveau. Voilà, si vous vouliez un petit peu des metrics de commerce. 90 incroyable niveau d'action et d'énigmes, ainsi que d'innombrables épreuves créées par les utilisateurs. Bien sûr qu'on va aller se faire du mal sur les puzzles créés par la communauté. Bon bah écoutez, sans grande surprise, je suis convaincu, sans grande surprise, je suis même plutôt conquis par Humanity. Donc je vous le rappelle, une édition de chez Enhance, mais développée par un studio japonais qui s'appelle THA, et donc qui sera disponible à partir du mois de mai. On n'a pas encore la date exacte, sur PS4, sur PS5, sur PSVR 2, sur PSVR 1, sur Steam. Est-ce que la version VR sera disponible sur Steam? Ça, je ne sais pas. Il faudra peut-être se renseigner à ce sujet-là. Mais voilà, c'est très très bien. C'est vraiment très 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 bien. J'aime beaucoup. J'essaierai probablement la version VR dans mon temps libre pour voir à quel point les rapports d'échelle vont apporter quelque chose de fou, pendant que, bien sûr, moi, j'essaie de contrôler tout ça en réalité virtuelle. Je vous rappelle que la démo est disponible sur PS4, sur PS5, sur les deux casques de VR de Sony, ainsi que sur Steam, gratuitement, et ce jusqu'au 6 mars seulement. C'est important de le noter, parce que, si vous avez un backlog un peu chargé en ce moment, faudra peut-être pas oublier de la faire avant que ce soit trop tard, même si trop tard, ça nous amène quand même à une sortie en mai, c'est dans pas très très longtemps. Donc bien content d'avoir pris le temps d'organiser et d'enregistrer une petite VOD pour ça. Prenez grand soin de vous, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine.